La célébration demain de la fête de la Tabaski. Au Gabon, les musulmans se prêtent au rituel, bien sûr. Et comme à l'accoutumée, eh bien, c'est l'imam Ismaël Hosseini qui plante le décor à travers son discours à la communauté musulmane. Confort Olga Okenkali et Louis Bestar Lenyongo reviennent sur les grandes lignes. Paix et bénédiction de maître mot à l'endroit des musulmans qui s'apprêtent à magnifier la sacralité de la vie humaine. La fête de la Tabaski à travers le pardon, l'amour et le sacrifice pour la grandeur de Allah, celui-là même à travers qui le feu brûle et sanctifie l'homme. Gloire à Allah qui a éloigné les regards de ses saints de l'ornement et de la splendeur de la vie ici-bas, qui a élucidé leurs esprits pour ne pas observer autre que sa grandeur, qui les a purifiés pour s'occuper de sa dignité, qui leur est apparu par ses noms et ses qualités, jusqu'à ce qu'ils aient été éclairés par la lumière de sa connaissance, puis qui leur a dévoilé la splendeur de sa face, jusqu'à ce qu'ils aient été brûlés par le feu de son amour. Dans la foi, l'imam élève certaines catégories d'hommes de Dieu, par leur comportement et leur posture. Les prophètes. Quelques hommes éminents qui en ont une conscience plus claire, leurs paroles et leurs comportements sont l'exemple frappant du lien de l'homme avec l'éternité et de son rôle créatif dans la connaissance et la pratique humaine. Ces hommes sont les prophètes. Ismaël Hosseini, à la veille de cette commémoration, revient sur la symbolique de cette célébration. Parmi les animaux destinés au rite sacrificiel, prononcez donc le nom de Dieu au moment où vous les mettez dans la position de l'immolation. Et une fois que, gisant sur le flanc, ils ont cessé de vivre, vous pouvez les dépecer pour en prélever de quoi vous nourrir et donnez-en aux nécessiteux, aussi bien à ceux qui font preuve de dignité et ne demandent absolument rien. Fête de la Tabaski. Fête du mouton, en somme, une fête tout court, qu'elle soit belle, tout simplement.